Et merci prof pour le don en direct. Merci beaucoup sur l'attente. À tout de suite les amis, on arrive. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ce live. Comme vous pouvez le voir, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un tout nouveau live qu'on attend tous, surtout moi, depuis bien longtemps. Nos amis de Rocket Lab qui vont balancer leur fusée Electron. Et bien évidemment, pour commenter ce live, les amis, je suis en compagnie d'une personne que vous avez envie de revoir depuis un long moment sur la chaîne. Et ce soir, les amis, nous avons la chance d'avoir avec nous Alex. Comment ça va, Alex ? Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, ça va super mon Lucas, je suis très content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas live avec vous et avec, avec les abonnés, ça fait super plaisir et on est chaud ce soir car l'électron, on l'attend de pied ferme, moi depuis juillet et Lucas depuis un bon petit moment. Oh oui, ça fait un moment et Hugo va arriver dans quelques secondes les amis, merci beaucoup. Et je suis là. Et ben voilà, Hugo est avec nous, comment ça va Hugo? Le timing est bon, ça va très bien vous les gars? Bah écoute, au top. Quel. Olivier, tu m'as fait peur, j'ai vu mute dans ton message, j'ai cru que j'étais encore mute, mais non, je me suis pas foiré cette fois-ci. Merci beaucoup d'être déjà aussi nombreux sur le live et déjà bien actif. Merci beaucoup prof pour ton don en attente live, je crois que c'est la première fois. Et voilà, gros bonjour général parce que vous êtes déjà une bonne équipe, donc ça va être long de tous vous énumérer, mais ça fait très plaisir de vous avoir avec nous. Et puis bah, sans plus tarder, on va parler dans un premier temps de la mission de ce soir et puis après on a une petite surprise, je vous en dis pas plus. Alex, si tu veux un petit peu présenter la mission de ce soir. Et bah, oh, pas de problème, tu m'ouvres de comme il faut l'introduction. Ce soir on se retrouve donc pour la mission The All Nights Continues, en fait, qui fait référence à une première mission qu'on avait couvert l'an dernier, je sais pas si tu te souviens, qui s'appelait The All Night Begins, qui en fait appartient à la constellation Citrix de la société Synspective, qui est une société japonaise. La dernière fois, ils avaient envoyé le satellite Citrix Alpha. Aujourd'hui, on envoie le Citrix Beta, qui va servir en fait un démonstrateur d'une future constellation de 25 satellites de cette entreprise. On tire depuis le pad LC-1B, donc qui est le tout nouveau pad de tir qui a été inauguré par Rocket Lab il y a quelques jours, si vous avez suivi nos informations. C'est un pad de tir qui est juste à côté du LC-1A qui est tout au bout. Ça leur permet, comme ils disent normalement, d'avoir une capacité de tir toutes les 72 heures. Bon, déjà, il faut qu'ils aient les clients pour et les lanceurs disponibles. Mais c'est plutôt cool de voir ça. Ça prouve que Rocket Lab prospère.
Et la charge qu'on envoie aujourd'hui est une charge de 150 kg et elle doit partir en orbite héliosynchrone à 21h37, heure de Paris. Voilà, orbite héliosynchrone, je le rappelle, c'est une orbite qui est toujours en fait dans le plan du Soleil, c'est-à-dire que elle n'est pas jamais derrière la face d'ombre de la Terre. Donc en gros, grosso modo, pas tout à fait, mais ça peut rentrer à une orbite polaire. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de mettre des batteries à l'intérieur, étant donné que les panneaux solaires ont toujours de l'énergie solaire sur eux, et donc pas de batterie, vous gagnez du poids. Et ça vous permet du coup après de lancer votre satellite qui fait que 150 kg dans un micro lanceur, l'électron ce soir, et donc de réduire largement les coûts de lancement pour l'entreprise qui souhaite utiliser ça. Merci. Oh, merci Kevin pour le don. Mais quoi, mais c'est pas possible. Merci Kevin. Merci beaucoup. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Kevin. Bah alors là, Kevin. Les amis, je veux une vague de cœur, mais là une vague qui défile. Je dédie ce live à toi. Le chat. Nous dédions ce live à toi, Kevin. Merci beaucoup en tout cas. Incroyable. Ouais. C'est dingue. Merci beaucoup. Waouh. Je m'y attendais pas. C'est dingue. Merci beaucoup les amis dans le chat. Je veux que ça explose pour Kevin. Hein. Il est stylé l'emoji en plus qu'il a mis. Hein. Ouais, grave. Ouais, je l'ai jamais vu celui-là. Voilà. Merci. Bon. Il a posé les bases. Il a posé les bases. il a mis les règles. On va donc vous parler bientôt de la surprise. On va également, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, Kevin, tu m'as complètement enlevé les mots de la bouche. Estomaqué. La webcast va pas tarder à arriver. Hein, normalement, d'ici 4 minutes. D'ici 4 minutes, est-ce qu'on parle maintenant de la surprise ou est-ce allez, qu'on vas-y, un petit peu vas-y. De toute façon, pour les plus curieux, le lien est déjà disponible depuis quelques minutes et il y en a certains qui l'ont déjà trouvé, j'ai vu. Depuis même quelques heures. Depuis même quelques heures. Oui, c'est clair. Ouais, mais là, c'est déjà parti sur Insta, donc il faut en parler. Donc voilà. Ouais. Kevin qui dit vous le méritez, je vous suis depuis longtemps, donc vous le méritez amplement. Merci beaucoup, Kevin. En tout cas. Merci beaucoup, Kevin. C'est un cœur de ma part et je pense de la part de tout le staff. De moi aussi. Eh bien écoutez les amis, c'est parti. Nous allons surtout, et surtout Hugo, parce que c'est surtout Hugo qui... C'est le chef d'orchestre. C'est ça. Alors est-ce que tu peux faire un petit stream de ton écran? C'est ce que j'allais dire. Hop, je te fais ça. Voilà. Les amis, ça y est, vous l'attendiez, on vous l'avait pas mal teasé, et on est heureux de vous l'annoncer. Je vais même laisser Hugo vous l'annoncer. Je crois que c'est à lui de le faire. Hugo, c'est à toi. Écoutez, messieurs, dames, ça fait un petit moment maintenant qu'on le tisse depuis au moins fin 2021, il me semble. On a essayé de faire oublier un petit peu l'idée parce qu'on avait un petit peu de retard, tout ça. Mais il est là, ça y est. Le site internet Vulgaspace est en ligne à partir de maintenant. Donc vous pouvez directement vous rendre sur le site internet pour aller voir tout ce qui s'y passe. Alors, introduction du site internet. Après, on vous laissera évidemment aller découvrir par vous-même. On a basé le site internet sur l'accès simple. En fait, c'est ça qu'on veut, c'est vraiment que chaque information soit très simple d'accès, très rapidement, le plus vite possible, pour que pendant les lives, vous puissiez aller checker en même temps, dès qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, des caractéristiques techniques, compliqué à dire, sur les lanceurs, tout ça. Honnêtement, vous n'allez pas être déçus. On a fait un gros travail là-dessus. Et donc Lucas, je te laisse descendre un petit peu sur la page. Bien sûr. On va commencer par la page de bienvenue. Et directement, on attaque dans le vif du sujet avec une fiche technique pour la plupart. Je dis la plupart parce qu'ils n'y sont pas encore tous. On travaille encore merci sur quelques JP fiches pour le don, pardon. Merci JP. Merci, il me coupe la parole. Mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Incroyable. Merci infiniment des cœurs dans le chat. Allez, merci, on continue. Bon, JP. Perds pas de temps parce que ça va vite arriver le lancement. Je surveille. Et donc du coup, des lanceurs, vous y retrouvez des fiches techniques. Alors pour ceux qui veulent les voir d'ailleurs en même temps que nous, le lien est dans la description. Voilà. Ça, il y a la fiche technique du lanceur du jour d'ailleurs. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on va d'ailleurs aller voir tout de suite. Beaucoup de caractéristiques techniques. Oh, j'ai dit du premier coup ce coup-ci. Et y a beaucoup de lectures et ça va vous prendre un peu de temps, je vais pas vous mentir, ça va être long, mais vous allez kiffer, c'est sûr et certain, parce qu'on a simplifié au maximum. Évidemment, il y a des termes techniques qu'on peut pas simplifier, type évidemment les carburants qui sont utilisés, les orbites qui sont atteintes. Je te coupe parce que là tu introduis très bien la suite de la visite. Et oui, exactement, parce que si vous avez une question, un mot,
qui vous taraude, n'hésitez pas à aller dans le glossaire. Juste parce ici. Qu'on a créé un glossaire. Toutes les lettres de l'alphabet, sauf 3 évidemment, hein, qui sont, je sais plus, X. Il y a quoi ? Il y a X, bah non. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Non, le Z a des mots, mais X, Y, c'est sûr qu'il y en a. Voilà. Pas du tout. Donc, quand vous allez avoir un mot, donc évidemment, on va compter sur vous aussi pour ce glossaire. Regardez. Vous aurez la possibilité de vous proposer nos mots. Donc voilà, exactement ce qui se passe quand vous arrivez sur un mot, par exemple la lettre O. Et ben, vous avez des définitions en fonction du mot que vous cherchez, et classé par ordre alphabétique. Et à la fin, voilà exactement, vous pouvez vous proposer vos mots à vous. Si vous avez des mots que vous avez appris, par exemple dans la semaine, ou sur un de nos lives, vous pouvez directement nous le soumettre, et nous on regardera évidemment derrière si tout est correct. Et dans ce cas-là, on publiera directement dans Glossaire vos mots à vous. Donc c'est un peu participatif, je trouve ça un peu cool de faire ça. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, allez jeter un œil, proposer vos idées. Après, vous avez l'onglet Actu aussi. L'onglet Actu, c'est essentiellement le Twitter. On tweet toute la journée sur les événements qui se passent, sur les dernières news. Donc, vous avez toutes les dernières actualités en temps réel. C'est classé par ordre de publication. Donc, la dernière publication se retrouve tout en haut. Donc, très simple d'accès. Donc, voilà, je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus sur Actu. On peut passer à l'onglet vidéo, exactement. Donc, dans cet onglet vidéo, vous y retrouverez tout. Tous nos replays, tous nos lives concernant chaque entreprise. Donc c'est assez simple de s'y retrouver. Vous cliquez, vous accédez directement à une playlist YouTube qui vous emmènera sur les vidéos avec les derniers Astro Recap, bien évidemment, mais aussi tous les replays des lives et les futures vidéos qui vont arriver, évidemment. Ensuite, on approche un lancement qui est administré par notre célèbre Petit Biscuit qui gère ça d'une main de maître et qui vous met. Dès qu'on a l'info, dès qu'on sait de où ça part, de quand ça part, de quel lanceur il s'agit, on vous balance ça directement dans Actu Lancement. Entre guillemets Actu Lancement, hein, c'est le channel qu'on a sur notre Discord. Et vous avez les détails de la mission qui va arriver prochainement ou pas d'ailleurs, parce qu'on voit ça à long terme aussi. On a mis des lancements qui arrivent très tard dans l'année, donc voilà, n'hésitez pas. Évidemment aussi, on a la boutique qu'on a réussi à incorporer dans le site, donc maintenant tout est au même endroit. Nous avons aussi changé de fournisseur. Les articles sont vraiment de très bonne qualité. Pour les avoir eu en main, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça va être la boutique définitive qui va... Merci JP évidemment... Merci JP pour ton nom, c'est incroyable. Est-ce que tu peux arrêter de me couper la parole, s'il te plaît? Et puis là, moi, évidemment, vous avez Alex qui a fait le mannequin, comme vous pouvez constater. Voilà, exactement. Exactement. En tout cas, voilà, boutique hommes et femmes, évidemment. On a des articles unisex aussi, avec des pulls, hein, des t-shirts, tout ça au nom de la chaîne. On a des casquettes brodées, pas uniquement floquées, évidemment. Voilà. Et donc voilà. Et ensuite, on a juste le dernier onglet qui est contact. Hein. Si vous voulez nous envoyer un mail, nous envoyer un message sur Instagram, nous suivre sur Twitter, Facebook, tout ça, un petit formulaire de contact. Nous faire des suggestions aussi. Évidemment, ouais. Évidemment, les suggestions, c'est très important pour qu'on évolue aussi, nous, de notre côté, hein, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. On attend aussi vos retours, hein, que ce soit en Discord, en message sur Instagram, tout ça. On attend vos retours et ça va nous aider grandement. Voilà, je pense que vous pouvez tous vraiment féliciter Hugo, et pas que, hein, y a pas que Hugo, ça a été celui qui a géré tout le développement du site, mais il y a toute l'équipe Vulgaspace derrière qui a été là, hein, je pense à Petit Biscuit, à tous ceux aussi qui ont fait des recherches pour le glossaire. Cosmiaou, exactement, Eto, Pierre, tout ça, toute l'équipe qui est derrière, Pablo aussi, vraiment toute l'équipe, un gros bisou à vous. Voilà. Vous m'avez été d'une grande aide. C'est franchement, que du love. Maintenant, n'hésitez pas à aller vous balader sur le site. Et comme tu le dis très justement, Christian, très, très facile, et surtout pour les très jeunes, bah, c'était aussi un peu le but. On pensait à Elodie, Elodie qui arrive dans le chat au moment où on parle d'elle. Salut Elodie. On pensait à Elodie, je sais pas si tu as vu, on vient de parler du site, Elodie. Tu regarderas en replay, il y a le site en description. Mais tu vas pouvoir présenter le site à tes élèves parce qu'il est très facile d'utilisation. Et donc je pense que ça peut être pas mal. Et le site, bien sûr, là il vient de sortir. J'espère qu'au fur et à mesure du temps, on va l'améliorer, on va rajouter des choses dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à balancer vos suggestions. Franchement, c'est ça, exactement. On est fiers. Il va être amené à évoluer dans tous les cas. Merci Kevin encore, merci Kevin. Mais c'est dingue. Merci beaucoup. Waouh.
Merci aussi à tous ceux qui rejoignent. On va pas tarder à passer sur, sur la webcast. Donc voilà. Et puis, et j'aimerais une minute de silence. Alors, on va pas faire une minute, mais on va faire 10 secondes pour l'Antonov 225 qui, malheureusement, est décédé. C'est un peu la, je vous rappelle que la moins bonne nouvelle. Mais bon. Le plus gros avion du monde, hein, qui était en exemplaire unique, qui a été malheureusement totalement détruit. Voilà. Transporter les navettes Buran soviétiques aussi. Exactement. Exactement. Et oui, on livre partout, hein. Tu peux commander de partout, il n'y a pas de souci. Évidemment, l'Ukraine, en ce moment, on évite un petit peu. Mais sinon, on livre de partout, il n'y a pas de problème. Quel travail, félicitations, j'ai hâte d'y prendre un moment pour y aller et faire un tour et poursuivre mon apprentissage. Bah, merci, ça fait grave plaisir, ça, comme message. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est le but, hein, c'est le but ultime, hein, de faciliter l'accès. C'est un site qui ressemble pas vraiment à tout ce qu'on connaît actuellement, mais c'est vraiment, si vous voulez une info, vous la trouvez en moins de 10 secondes. Exactement. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est quoi comme carburant, Gabriel nous demande. Bah écoute, comme d'habitude, comme une Falcon 9, kérosène avec de l'oxygène liquide, tout simplement. Ouais. Voilà. Une fusée, on n'a pas trop parlé de la fusée, mais je pense qu'on peut. Est-ce qu'elle est. Alors, on va en parler. Est-ce qu'elle est en. Elle est en combien d'étages? Elle est en 3 ou 2? Elle est en 3 étages dans certaines configurations avec les Kickstage, Curie et Photon. Et là, ce soir, ils utilisent Photon ou pas? Ce soir, ils vont utiliser, je te dis ça tout de suite, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au premier étage, vous avez 9 moteurs Rutherford, hein, qui fonctionnent avec des turbopompes électriques. Et ça, j'aimerais des juste. Batteries électriques dans les turbopompes. J'aimerais juste qu'on prenne 2 minutes justement pour parler juste de cette caractéristique, parce que c'est quand même assez intéressant, les turbopompes, par rapport à des pompes traditionnelles qu'on peut utiliser sur des gros lanceurs comme une Falcon 9. Ouais. Donc, je vais y revenir juste après si tu veux, comme ça, tu finis ta présentation et je reviendrai sur les turbopompes après. Ouais, ah, on a la webcast qui débute là. Je la mets. On a un fond. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je trouve pas si c'est du Photon ou du Curie. Je veux pas me tromper de Pantin, c'est à l'info. Ah, si on a le Kickstage, ok. Je crois que c'est du Photon ce soir. Tac, tac, tac. En fait, c'est un étage supérieur. Un petit peu l'image de celui qu'on utilise sur la Soyouz, vous savez, l'étage frégate qui supporte les satellites. Ici, il est propulsé par un seul moteur qui s'appelle Curie, qui peut produire 120 newtons de poussée, donc dans le vide, c'est suffisant, hein, pour atteindre l'orbite qu'on désire. Il a été conçu en interne et fabriqué par le biais de l'impression 3D, hein, comme les moteurs Rutherford, donc 6 levels, donc atmosphérique et vacuum. Il se compose de réservoirs en composite de carbone, pour le stockage du propulseur, et de 6 propulseurs de contrôle de réaction, donc les fameux RCS, Reaction Control System. C'est assez petit, mais ça permet de mettre la charge qu'on désire ici, puisqu'il faut savoir que l'électron n'a pas une capacité d'emport extrêmement grande, même si quand même 250 kg, bah, il faut les atteindre. Et en fait, ce Kickstage-là, Photon, il permet aussi d'aller vers l'espace lointain, hein, pour les futures missions interplanétaires que Rocket Lab vise, telles que la Lune et Capstone, ou Vénus, il me semble. Et voilà, et donc en tout, on a, si je ne me trompe pas, 11 moteurs, 9 à la base du premier étage, 1 vacuum sur le second et 1 sur le Kickstage. Normalement, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc, pour revenir vite fait, rapidement, aux turbopompes, en fait, tout simplement, au lieu d'utiliser, pardon, des turbopompes, on utilise des pompes électriques et ça va permettre d'alléger énormément le lanceur, étant donné qu'une pompe électrique, ça fait la taille d'une canette de coca, enfin de soda. Donc, pour vous dire la place que ça prend, et juste pour vous donner 2-3 petits chiffres comme ça, qui sont absolument pas importants, mais comme ça vous le saurez, elle tourne quand même à 40 000 tours par minute. Moi j'ai vu ça, je trouve ça incroyable. Et vraiment, le truc à retenir par contre sur ça, c'est qu'elles sont faites par impression 3D. Ce qui fait que vous avez une vitesse de fabrication qui est énormément plus rapide que pour une turbopompe sur laquelle vous avez beaucoup de tuyauterie à faire et qui utilise énormément de corps de métier. Là, il y a une impression 3D et basta. Donc ça joue aussi pas mal sur l'objectif de Rocket Lab de lancer beaucoup plus de fusées. Ça facilite l'automatisation et forcément, comme tu dis, la production du lanceur et la production en chaîne derrière qu'ils souhaitent mettre en œuvre. C'est ça. J'ai mon casque qui a sorti avec Rocket Lab ce soir, c'est trop stylé. Vous allez voir, si vous avez jamais vu le lancement Rocket Lab, les amis, ils ont une salle de contrôle très particulière. On a l'habitude des salles de contrôle de la NASA qui sont un petit peu vieillissantes, la salle de contrôle Jupiter dans l'espace, celle de SpaceX qui est un peu plus moderne. Là, vous allez voir qu'on rentre vraiment encore plus loin. Alors ça fait longtemps que moi je les ai pas vus, donc je sais pas s'il y a eu des changements entre temps. Déjà il y a un changement d'identité visuelle de leur part. Tu peux en parler, hein.
on l'a pas dit, mais pour ceux qui... Ils ont changé leur charte, voilà. Ils ont changé, bah, le logo que vous voyez à l'écran, là, c'est un nouveau logo. Ça, c'est cool. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rocket Lab développe aussi en parallèle un nouveau lanceur, Neutron, qui sera presque réutilisable entièrement, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer le premier étage et la coiffe en même temps. Le second étage va être encapsulé dans la coiffe va s'ouvrir telle une fleur, et laisser le second étage s'allumer et puis faire sa route. Ils vont pouvoir récupérer comme ça quasiment tout le lanceur qui sera lui aussi fait en fibre de carbone. Donc j'ai hâte de voir ça, c'est un lanceur qui va être quand même plus haut, hein, parce que l'électron est à 18 mètres. Je crois que la neutron va être à une quarantaine de mètres d'altitude, quarantaine de mètres de haut. Et du coup pourra permettre de déployer des constellations, continuer les missions et puis aller vers les missions interplanétaires aussi. Donc hâte de voir ça doit arriver dans 2 ans normalement. Je rebondis sur ce que tu dis parce que sur le site internet justement vous avez toutes les caractéristiques du futur lanceur tout en bas des fiches techniques, vous l'avez. Donc si vous voulez aller voir pour vous informer justement, voilà. Bonsoir Tristan, merci de nous rejoindre, on va reprendre un peu aussi vos... Je mets dans le chat la fiche de Neutron pour ceux qui veulent, et je vous mets celle d'Electron également. Par contre, il y a un surpoids à cause des batteries. Très intéressant, très malin ce que tu dis, Flux. Ça me permet de parler de quelque chose d'autre sur le lanceur. Alors oui, on va mettre des batteries en plus sur la fusée, mais ces batteries-là sont larguées un petit peu plus tard après le lancement. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est après le MECO, la première coupure. Et juste après l'allumage ou juste avant l'allumage du second étage, ils larguent les batteries. Et normalement, on le voit sur la timeline, ça. Là, ils mettent un peu de temps à démarrer. J'espère que tout va bien, en tout cas sur place. Ouais, si vous savez aussi, précise un truc aussi, parce que peut-être que les personnes ne nous suivent pas toutes sur les réseaux sociaux pour les infos. Là, maintenant, vous avez un site qui va vous permettre de voir ce qu'on tweet sans avoir Twitter. C'est quand même pratique. Ouais. Et même sans consulter l'onglet communauté, parce qu'ils ne mettent pas toujours en avant ce qu'on met dans vos feeds YouTube, dans vos flux YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'électron qui part ce soir, on a des liserés rouges qui pourraient nous faire penser que l'électron, le premier étage de cette dernière, est récupéré par la biais d'hélicoptère, mais aujourd'hui, non. Mais ils ont toujours comme but de le faire, de récupérer ça. Je pense que si Lucas, tu veux en parler, tu peux. Ils vont pas la récupérer ce soir, malheureusement, mais ils vont encore continuer de tenter de le faire tout au long de l'année. Ouais, effectivement, comme Alex le dit, donc on parle de récupérer les premiers étages d'électrons avec une technique totalement différente que chez SpaceX. C'est-à-dire que chez SpaceX, on a mis énormément d'ingénieurs sur le coup et les boosters viennent se poser tout seuls. C'est une prouesse technique incroyable, mais il y a moyen de faire ça beaucoup plus facilement. Et Electron a réfléchi à un système beaucoup moins coûteux, j'ai envie de dire. Et tout aussi technique par contre pour le coup, et en plus là c'est fait par l'homme, c'est à dire qu'en fait vous avez un parachute qui se déplie au dessus du booster, et un parachute pas rond comme ceux des capsules, un parachute en forme d'aile, les mêmes que pour les parachutistes en sport, en chute libre, c'est à dire que le parachute est fait pour que ça plane, et ensuite vous allez avoir un hélicoptère avec un câble pendu sous l'hélicoptère et un crochet, hein, tout simplement, qui va venir attraper ce parachute et tout simplement après ramener le booster sur le site de lancement. Donc c'est assez fou et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir ça, et j'espère qu'on aura des jolies caméras d'ailleurs pour ça, mais c'est assez dingue. Je vois que c'est assez nuageux là sur la zone, j'ai des photos, j'espère que ça va pas compromettre le tir. Il faudrait voir les vents sur place, mais les batteries retombent dans la mer. Tu es là, Alex, un hold assuré. Ah, je veux pas porter malheur à quelqu'un après. Non, ça va. Ouais, ils ont changé leur identité visuelle et franchement, c'est vachement cool. Je sais pas comment. Parce que c'est vrai qu'ils ont toute une charte aussi sur leur live. C'est vraiment des geeks. Ouais. Et ils ont vraiment cet esprit-là et j'ai hâte de voir ce que ça donnait. Là, ils nous teasent bien là, avec la musique d'attente et tout. On va voir ce que ça donne. La base de Falcon 9 devait être récupérée par parachute, mais c'était pas faisable au final, c'est écrit sur la fiche sur le site, voilà, que donc OSPO a contribué. Et je crois qu'ils vont lancer, parce qu'on a la musique d'intro, ça y est. On a Maya avec les deux pattes, deux pas de tir. Attends, pas de tir sur le côté. Je vais faire un x2. Donc en fait, le pas de tir qui mène à la mer, le LC1A, c'est celui qui... Le LP1A, attends, c'est celui attends, qui attends, était attends, déjà attends, présent attends, avant. Parle pas, parce que tu vas... Ils vont pas comprendre de quoi tu parles. Ouais. De toute façon, ça va assez vite, hein. Là, ils l'ont déjà passé. Là. Ouais. Pas l'intro, t'inquiète Lucas. Je vous ai mis l'intro en accéléré, du coup, désolé. Donc là, vous voyez les tests des moteurs Rutherford, justement, tir statique. Des décollages. Ah, oh, le centre de contrôle, mais il claque. Mais même la fusée, ouais, elle est bon, tellement hein. Belle cette fusée. Bah, même les images embarquées, oh, sont... ouais. Même le patch, hein, le patch est vraiment joli.
Bah, franchement, c'est pas le plus beau qu'ils aient fait, mais ils en font des beaux. D'accord. Ah, oh, allez, ça y est. Ouh, la météo. Ah oui, il y a de la belle pluie derrière. Ah, il pleut. Hein. Ah, il pleut clairement. Il pleut. Aïe. Alors, il pleut pas sur le pad. Par contre, il pleut juste derrière. Bon, après, c'est du nuage. Hein. Ah, on a Marie Baker. Ça vente bien. La fusée prend vie, comme on dit à chaque fois. C'est ça. J'avais jamais vu cette journaliste. Ouais, le décor derrière, il est magnifique. Hein. Ah, c'est joli. Avec l'atome, là. Franchement. Je vais mettre un tout petit peu de son. Et moi, j'ai l'impression que la pluie qu'on voit derrière est déjà passée parce que c'est quand même bien mouillé. Ouais, ouais, c'est possible. Hop, je vous ai mis un tout petit peu de son en fond. Vous avez juste là, les amis, la timelapse, donc le décollage suivi du Max Q. Et ensuite, vous avez le... Attends, j'arrive pas à voir, Alex, tu peux me dire, c'est trop petit, moi. Ça fait bugger mon fond. Tu veux voir quoi? La timeline, tu peux nous la lire? Alors, au départ, vous allez avoir donc le décompte final, donc Terminal Countdown, ensuite Liftoff pour le lancement, Max Q, donc période de contrainte aérodynamique maximale exercée sur la structure du lanceur, Staging qui va correspondre à la séparation du premier et second étage, Fairing Separation pour la séparation de la coiffe, donc du carénage qui protège le satellite qu'on envoie aujourd'hui, des frottements avec l'air, Battery Jettison, c'est le moment où on largue les batteries justement dont tu parlais, ouais, Lucas, tout à l'heure. Et le Kickstage Separation, le moment où on va séparer le troisième étage du second, donc le Kickstage qui est l'étage supérieur alimenté par le moteur Curie. Voilà, propulsé par Curie. Et bonsoir à ma tante qui est présente sur le chat, bonsoir. C'est vrai. C'est énorme. Ouais. Excellent. C'est génial. Énorme. Alors je vais juste me décaler un chou, vous inquiétez pas, de toute façon on enlèvera nos têtes hein, pour le moment du lancement, comme ça vous verrez tout, on mettra le son à fond comme d'habitude, vous allez voir, l'électron elle part très vite, hein. C'est une fusée, c'est une toute petite fusée très légère, donc ça part très très fort. Ouais. Les moteurs Rutherford sont des moteurs très 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 bien aussi, vous allez voir. Ça... Mais ouais, on voit que c'est bien humide au sol, là ça a bien tout arrosé. C'est une fusée qui pèse 12 tonnes 5 pour compléter ce que tu disais, Lucas. C'est vraiment dalle. Pas lourd. C'est vraiment que dalle pour le coup. Ah, il présente le nouveau pas de tir là. Tu vois, Lucas, que t'as raté. Avec Peter Beck, le dirigeant de l'entreprise. Donc on vous rappelle. Franchement, la musique elle claque. Hein, ouais, en c'est plus. Joli. Hein. On vous rappelle, c'est l'entreprise privée ici. Hein. C'est exactement comme SpaceX ou quoi. Ils ont pas ouais, vous voyez que l'ancien pad il est sur la gauche et le nouveau pad il est derrière. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ils veulent doubler leur capacité de vol. Hein. Bonjour, je viens de la classe de Elodie, je m'appelle Inola. Bah écoute, bienvenue. Bienvenue à toi, Inola. Salut, Inola, bienvenue. Salut. Merci, Etienne, pour ton message, bienvenue à toi. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Pour faire partie si les batteries sont réutilisées ou pas, même si elles tombent dans l'eau, malgré la corrosion. Alors là... J'ai un doute là-dessus quand même, mais je pense pas. Moi je pense pas non plus, mais si Cosmiaou, tu as des infos complémentaires. T'arrives juste à temps, Chris, ouais. Ça va être chaud le retour avec les deux cosmonautes et l'américain. On verra. Bon, en restant dans l'ISS, j'ai envie de dire la coopération est plus que jamais soudée. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est clair. Bah, ils ont intérêt, hein. Disons. Il y a beaucoup trop d'enjeux pour qu'il se fasse une petite guéguerre interne à l'ISS. De la rigueur, ils jettent peut-être des bouts de pain. Pourquoi il y a eu un... Encore, ils ont même pas le temps. Merci Séverine. Merci beaucoup. Incroyable. Vous êtes trop chaud ce soir. Merci. Et vous voyez le rollout hein, de... ouais, avec l'hélicoptère. Oh, on a vu l'hélicoptère qui est censé récupérer justement le booster là juste à l'instant. Ouais, ouais. Et vous avez vu le... J'ai envie de dire le mini-bave. Le bâtiment d'assemblage et après le rollout et quand il la redresse sur le pad. Le vraiment l'endroit est magnifique. Pour moi c'est le plus beau vraiment site de lancement. Tiens, ouais. Avec celui de Kodiak en Alaska pour Astra aussi. Il est aussi joli. Beau, mais lui je trouve quand même avec l'herbe verte et cette nature sauvage là avec ses falaises. Merci. Et puis les couleurs de l'eau et tout. Je vous adore, bah merci beaucoup. Merci Génie, merci beaucoup. Trop cool, merci c'est pour c'est le live. Bon. Merci Aude, merci beaucoup les amis. Wow, que d'amour ce soir. Que d'amour, là, c'est clair. Vous voyez aussi les coulisses des préparations pré-vol hein, dans les salles blanches aussi, dans les préparations d'intégration de satellites. Ouais, on voit aussi les antennes de communication hein, qui relaient avec la fusée et le centre de contrôle. Et là, on se rend compte de la tête du lanceur, hein, il est vraiment pas gros. Hein, regardez, ils sont à côté. Ouais, 18 mètres.
En tout cas, très efficace hein, pour du NanoSat et du CubeSat. Mais je le trouve magnifique ce lanceur, hein, vraiment. Il le c'est le beau micro-lanceur. Merci Antoine. Non. Merci Antoine. Incroyable. Vous êtes incroyable ce soir. Merci beaucoup les amis. C'est dingue. Alex, tu caches des caméras embarquées, c'est incroyable. Ah oui, Alex, tu caches le compte à rebours en effet. Non, c'est bon, il l'a caché. Ah oui, ouais. Non mais oui, depuis j'aurais pu le dire. Moi aussi, je le voyais depuis tout à l'heure. Salut Rudy. En tout cas, moi, cette entreprise, je l'adore. Tout est bien fait de A à Z. Ce que je me demande, c'est d'où ils vont tirer. Je crois qu'ils vont les tirer. Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rocket-là, pour info, ils ont ces deux pas de tir-là en Nouvelle-Zélande, donc l'hémisphère sud, mais ils ont aussi un pas de tir dans l'hémisphère nord, en Virginie, là où Lucas avait couvert le tir de l'Antares. Donc ils ont trois pas de tir. Moi, ce que je me demande, c'est d'où ils feront partir Neutron. Je pense qu'ils la feront partir des côtes américaines, hein, mais... intéressant aussi. T'en la zone de la salle de lancement. Salle de lancement, salle de contrôle. Salle de contrôle. La salle gaming. C'est ça. Ah, c'est toujours plus aussi fou. Mais vraiment, regardez leur live. Je sais pas, c'est tellement agréable à voir. Ouais. Non, c'est quali, bien hein. Fait. C'est quali. C'est même c'est pas des rectangles, c'est un peu biseauté sur le côté. Enfin, je sais pas, c'est en beau. Genre, tout est. En fait, ils ont fait tout un écosystème autour de leur marque, quoi, entre guillemets. Bon, ils pourraient se mettre en violet. Au moins, ça serait plus joli sur notre live. Genre, on enverra un mail. On enverra un mail à Peter Beck. J'ai de la concurrence en termes de dons. Ah, c'est vrai que ce soir, c'est chaud. Ce que j'adore avec cette fusée aussi, c'est qu'au début, vous la voyez, elle est vraiment toute black, toute noire. Et là, en fait, avec les remplissages de réservoirs, surtout de LOX, on voit qu'il y a vraiment deux couleurs qui se détachent, le noir et le blanc. C'est ça. On voit beaucoup de dépôts de glace. La glace qui s'arrache tout à fait au moment du tir, comme tous les autres lanceurs. Mais là, on le voit un peu plus que les autres. Très intéressant ce que tu dis là. Non, mais beaucoup de gens peuvent croire que la fusée est blanche au moment du tir, mais non, mais elle est totalement noire comme on l'a vu juste avant. C'est juste que là, avec les réservoirs qu'on remplit, on a tout ce dépôt de glace qui s'accumule. J'en profite pour dire qu'elle n'est pas noire pour rien. C'est pas de la peinture, hein. C'est tout simplement la couleur naturelle de la fusée, étant donné qu'elle est en carbone. Et donc, voilà, elle a ce style, du coup, que j'adore. Qui est propre. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, on voit vraiment bien l'emplacement de la glace et, du coup, des réservoirs d'oxygène. Vous voyez, ils sont au-dessus des réservoirs de kérosène. Et on n'a pas parlé d'un. Je sais pas si on en a parlé d'ailleurs pendant ce live, mais le son qu'elle fait aussi. Mmh, oui, au décollage, c'est incroyable. Au décollage, vraiment, quand l'allumage des moteurs, c'est vraiment. Ça change en fait. Ça gueule fort. Je reprends les mots que Lucas avait dit à l'époque. Il avait dit c'est le meilleur bruit de fusée, le meilleur son de fusée que j'ai jamais entendu. On va voir si Nourdi la même ce soir. On va voir. Les moteurs Rutherford, c'est quelque chose. Si vous avez jamais vu cette fusée partir, je vous conseille de rester jusqu'au tir, voire après, parce que c'est vraiment incroyable. Bientôt 10 minutes avant le lancement. Alors, le lanceur de ce soir va servir à quoi? Il va lancer un satellite radar japonais qui s'appelle Citrix Beta, pour le compte de l'entreprise Synspective, qui va jouer le rôle de démonstrateur de la future constellation d'entreprises qui va compter 25 satellites, sachant qu'il y a déjà un satellite du même type qui est déjà en orbite héliosynchrone, qui s'appelait Citrix Alpha, dont on avait déjà couvert la mission l'an dernier. Quand Alex parle de constellation, c'est un mot déjà que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans le glossaire. En fait, constellation, c'est pour dire un groupe de satellites qui travaillent ensemble pour le même but, comme la constellation Starlink, par exemple. À partir du moment où vous avez plus de deux satellites qui bossent ensemble pour quelque chose, ça devient une constellation de satellites. C'est sûr que quand vous comparez 25 satellites à 2000 et quelques chez Starlink pour le moment, ça n'a rien à voir, mais ça s'appelle quand même une constellation. Ça fait combien de temps que vous avez changé de logo? Ça fait combien de temps? Et plus d'un mois et demi quand même. Début 2022. Et je complète ce que tu disais, Lucas, sur les constellations, parce qu'on a Starlink évidemment qui est la plus célèbre, la plus connue d'Elon Musk, mais on a aussi OneWeb, on a Galileo. Galileo, exactement. La géoposition GPS qui nous sert à nous positionner, à nous repérer. Et on aura aussi à l'avenir Kuiper, là on a celle de Synspective, devenir un enjeu majeur. Ah bah, je crois qu'ils vont en parler peut-être là. Go for lunch apparemment. Ouais, on est go for lunch. Et pour la petite info qui vient de tomber, toutes les paraboles Starlink promises par Elon Musk sont arrivées en Ukraine
il y a 10 minutes. Elles sont arrivées par avion ? Par camion. Oh putain. Je pense dans un premier temps par avion et puis après par camion au sein de l'Union Européenne. Kérosène, oxygène, c'est comment par rapport au niveau de pollution ? Bah pareil que les autres, hein, comme tu viens de demander. Juste, je me coupe deux secondes, mais ils sont en train de montrer justement les futures missions de ce satellite, hein, qui sera surtout là pour l'environnement et les cataclysmes météorologiques, par exemple. Ouais. Et en termes de carburant, bah écoute, la plupart des fusées marchent avec de l'oxygène liquide et du kérosène liquide, donc ça ne change pas d'une autre fusée. Après, peut-être que tu voulais comparer aux lanceurs qui sont hydrogène, oxygène, qui crachent que de l'eau. Mmh. Alors en termes de lancement, bah évidemment, ça pollue pas. Par contre, maintenant, voilà, en termes de l'hydrogène à fabriquer, c'est énormément polluant. Donc il faudrait comparer la pollution d'une fusée au lancement avec du kérosène et la pollution de la mise en œuvre pour avoir de l'hydrogène dans une autre fusée. Donc, là, ça sort un peu de nos capacités, il faudra aller voir les chiffres, etc. Mais c'est intéressant, on pourrait s'y pencher. Après, c'est toujours plus propre ce que tu cites que les fusées chinoises ou russes qui utilisent du peroxyde d'azote ou du EDMH1, qui sont des carburants vraiment polluants pour le coup. Puis ça se voit, hein, les fumées orange fluo au décollage. Ouais. Même rouge des fois pour les tirs lanceurs chinois. Il paraît qu'ils devaient activer les Starlink oui, au-dessus de l'Ukraine. Hein. Les Starlink sont positionnés et du coup sont là pour les Ukrainiens. Mmh. J'espère qu'on aura des jolies vues embarquées. Ça fait tellement longtemps, peut-être qu'ils vont nous vendre du rêve sur ce lancement. Ils ont peut-être préparé des cams de ouf. Ah, j'espère. Déjà une cam au sol qui zoome, ça serait trop bien. Regardez le liseré rouge dont parlait Alex tout à l'heure, vous l'avez. Ça, c'est ça y est, on décroche le mât ombilical. Ouais. C'est sur ça. Le second liseré, justement. Un peu comme le Stormback Retract chez SpaceX. Et du coup, le liseré rouge est là pour dire que normalement le booster est récupéré, mais du coup, là, bah non. C'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ils montent des trucs d'inondation ? Parce qu'ils montent, là, à l'intérieur de la fusée, actuellement, t'as un satellite qui va servir à ça, justement. Donc, ils étaient en train de montrer un petit peu ce qu'allait faire le satellite. Ouais, l'UDMH NTO, hein, du coup l'hydrazine, carburant très toxique mais assez utile, c'est clair, parce qu'on peut en stocker plus densément il me semble aussi. C'est pour ça qu'il est intéressant. Question débile, combien fait de kilos le lanceur? Il fait 12 500 kilos, ça veut dire ça fait 12 tonnes 5. 12 tonnes 5, ouais. Voilà, exactement. J'espère que les Russes ont la liste des lancements, ce n'est pas un missile. C'est vrai que ça pourrait faire penser à un missile. Bah, sachez qu'une fusée, ça repose sur une architecture de missile balistique, de base hein, qui à la base est utilisée dans l'armement, hein, notamment les V2, les V2 de Von Braun. Et ensuite, on les a adaptés aux lancements commerciaux de charges utiles pacifiques. Il y a aussi des charges militaires qui sont envoyées, hein, mais ce n'est pas tiré sur la population comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Ok, le booster devait être récupéré, mais comme la mission était avancée, du coup, il y a pas de récupération. Ouais. C'est énorme la part. Merci Benoît. Merci Benoît. Merci, gros GG. Quand tu dis comme ça, mais t'inquiète pas, qu'on va pas lâcher Benoît, on vous lâche pas, on vous kiffe. Évidemment. On kiffe ce qu'on fait. Évidemment. Ton fond vert est en train de lâcher. Je comprends pas pourquoi. J'ai le même fond vert, les mêmes lampes qu'Alex. Ah, regardez le booster accroché à l'hélico. Ouais. Alors là, belles images là qui nous montrent. Ouais, là par contre faudra pas le lâcher hein, le jour J. Oui, parce que là. Ah mais ils le lancent. C'est des essais, je pense que c'est des essais qu'ils ont fait. Ah ils vont peut-être le récupérer du coup. Oh le bruit que ça fait. Oh le bruit que ça fait. C'est impressionnant ça. Ouais. Ah c'est impressionnant les gars là. Là ils nous montrent des images qu'on a jamais vues. La caméra 360. Le déploiement du parachute. Alors c'est pas le parachute qu'ils doivent utiliser normalement. Ou alors non. Ils ont changé. Ou alors ils ont changé peut-être. Au début, ou alors ils ont changé. Ils ont peut-être changé leur manière de faire. Leur méthode. Ah. Ils ont oublié l'hélico. Et là ça se pose où là? En mer ou... Non, sur la vue. On a pas vu. Gabriel, j'ai une question. Est-ce que les Russes auraient des avantages à attaquer depuis l'espace? Le truc c'est qu'ils ont développé il y a pas longtemps des missiles hypersoniques je crois qui en plus qui vont dans l'espace et qui en plus empruntent des trajectoires vraiment mais pas du tout détectables et prévisibles, donc ça peut être redoutable, mais comment ils contrôlent ça je me demande bien. Je pense qu'il y a une sorte de radar à distance, enfin de télécommander ça, mais
En soi, je sais pas si l'espace est le meilleur endroit pour attaquer, clairement. Salut Jadvlog. Merci, on a passé les 200 sur le live. Merci les amis, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et j'adore le plan là avec le bras qui s'est ouvert derrière la fusée, ça fait vraiment un plan de ouf. Merci, pardon, mais Julien, c'est fou cette anecdote là. Une ancienne base de V2, pas loin de chez lui. Oui, bien sûr, c'est pas. Oui, si. Il y a encore des vestiges des rampes de lancement. Il y en a, mais. Parce qu'elles étaient lancées, elles étaient pas lancées à la verticale. Comme les fusées, elles étaient lancées à 45 degrés, il me semble. En oblique ou en biais, quoi. Ouais, exactement. J'avais eu la chance de visiter justement un ancien centre de. Je sais plus si c'était une usine, j'étais petit, mais c'était une usine ou un centre de lancement, en tout cas c'était allemand. Et c'était dans le Pas-de-Calais, mais je sais plus où, je crois que c'est vers Béthune ou un truc comme ça. Il y a un énorme bunker. Et dedans, ils ont fait un musée. Et il y a tous les V2 et tout, c'est stylé à visiter. Missile hyper véloce, voilà, c'est ça. Bah écoute, ça va au top, Jade, et toi? On est 222 les amis sur le chat, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le site internet est dispo, n'hésitez pas à aller le voir, il est en description. Il est en description et je vais le mettre dans le chat les amis. On l'a montré en début de live, donc ceux qui veulent voir un petit tuto pour utiliser le site, n'hésitez pas à faire un petit replay tout à l'heure. Ouais, je vous balance ça. On dirait qu'il y a un déluge d'eau. Non, c'est juste qu'il a plu tout à l'heure et la fumée qu'on vous observez là, c'est du venting, c'est de la condensation au sol avec les. Les amis, on parle, mais on s'approche, on vient de passer les 2 minutes. Ça arrive vite, hein. À Saint-Omer, ouais, je crois que c'est ça. Oh, vous êtes chaud dans le chat là, ça y est, c'est parti, on vous arrête pas. Ouais, là, c'est. C'est clair. On a 1 minute 30 du tir, les amis. 1 minute 30 du tir. Écoute, Alex, je vais couper nos têtes, augmenter un petit peu le son du live. Et puis, vous allez kiffer le démarrage de ces fameux moteurs Rutherford. Ça vaudrait bien parce que c'est pas tous les jours qu'on entend ces moteurs rugir. Et profitez bien. Très beau décollage à tous et à tous. On a enfin un lancement Rocket Lab. Et ça fait plaisir. C'est là. Ah, ça c'est peut-être la cam qui va nous vendre du rêve après ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Là, il y a moyen qu'on... Après, on voit pas on voit à peine le lanceur. Il y a des nuages. Oh, on a dû zoomer. Là, il y a des nuages, c'est un peu dommage. J'espère que le son est bon. Ah, je vais mettre le son à fond. Moi je me suis mis en x2, j'avais un peu de temps à attraper. Mais vite, parce qu'on était calé. Allez, soyez bien attentifs sur tout ce qui va se passer, surtout sur le son. A tout de suite les amis. Les frissons, c'est clairement. Incroyable. Attendez, on écoute encore. Quel bruit ! La crépite. Magnifique. On écoute magnifique encore. L'image. Fais chier les nuages. Ah oui, là on voit pas grand chose avec les nuages. Caméra embarquée avec la glace qui se détache. Non, ne bug pas. On avait beaucoup de glace partir aussi au moment du lift-off, vraiment. Allez. Oh là, prochaine étape Max Q. On est déjà bientôt à Max Q. Ça va très vite. Oh le son. Oh, c'est incroyable. Allez. On a des petits bugs de caméra. Ah ça y est, on va arriver à Max Q là. Ouais. Période de pression aérodynamique maximale, exercée sur la structure de l'électron. On est supersonique depuis quelques temps déjà. Je suis en train de me rendre compte que la télémétrie elle est cachée par notre relais, ça fait chier. Ouais.
Ça y est, les flammes, là, regardez, la flamme commence à s'étendre vu qu'on on culmine aux hautes couches de l'atmosphère. De moins en moins de pression sur la flamme, étant donné exactement qu'on sort de l'atmosphère. Et donc, du coup, on voit maintenant la flamme qu'on ne voyait pas au début d'ailleurs. Ah, c'est magnifique la flamme là. Magnifique lancement, vraiment. Déjà plus de 30 km d'altitude. Vous voyez les côtes de Nouvelle-Zélande juste en dessous. C'est pas le plus beau tir d'électro qu'on a vu avec les images depuis la Terre, mais on était à la Terre, mais c'était. Bah bonsoir Robin. Regardez la taille de la flamme, elle va prendre tout l'écran bientôt. Ouais, bah on la voit, on la distingue de moins en moins, mais elle est très très étendue. Je viens de découvrir l'horaire de lancement de Groo 4 grâce à votre site. Bah énorme. Ah bah très bien. Ça sert à ça aussi hein. Alors faut préciser qu'il y a certaines infos qui peuvent changer aussi hein. Oh, coupure. Ah, coupure, séparation, regardez à droite le deuxième étage. Séparation, premier étage. Magnifique. Oh là là. Oh regardez comme ça part vite. Oh le premier étage. Oh le plan. Oh le plan. Bravo. Le plan est incroyable. Hein. Oh, le plan sur le premier étage. Et là, vous voyez le second étage avec la tuyère optimisée pour le vide du Rutherford Vacuum. Voilà, même vue que SpaceX. Hein. Ouais, ouais, bon. C'est quasi la même. En tout cas, la caméra est était pareille. Ils ont des très très bonnes caméras sur Rocket Lab. Ah oui, c'est clair. On arrive déjà à la séparation de la coiffe. La qualité, on va l'avoir passé la coiffe. Ça y est. Regardez. Oh là là. Ah, on l'a vu dans l'ombre. Oh là 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 là. Oh là là, deuxième caméra. Ils ont tout prévu. Oh. Mais c'est génial. Incroyable. Mais et franchement, s'il n'y avait pas des bugs de réception, la qualité image est dingue. Ah oui, oui. Il y en a toujours un petit peu, hein, de toute façon. C'est pas aussi fluide que chez SpaceX, mais au niveau qualité, on est vraiment, vraiment pas mal. Hein. On est largement dans l'espace déjà. Ouais. Ah oui, on est à 135 km d'altitude. Bonsoir, David. La prochaine étape, ça va être le largage des batteries. Hein. Ouais, j'espère qu'on va les voir. Il va falloir être attentif parce que ça va aller très vite. Là, on va chercher une vitesse de 28 000 km/h quand même, je vous le rappelle. We are now at T plus 3 minutes and 52 seconds into the mission, having completed. Incroyable, hein, franchement, le plan du booster là. C'est rare qu'on le voyait pas comme ça avant, hein. On le voyait pas, si tu veux, s'orienter cette manière, tombant. Oui, c'est clairement fait pousser par le, le second. Par la tuyère du second. C'est vrai que c'est de la 3D. Bah, ils impriment en 3D, c'est pas. Faut rappeler qui c'est de fusée. Je vous rappelle que la pompe qui est à l'intérieur actuellement, c'est une pompe fabriquée en 3D. En imprimante 3D. Les moteurs aussi. Tout est fabriqué en imprimante 3D. C'est le futur, hein, ça, de toute façon, l'impression 3D. Moi, tous les lancements de fusées sont la nuit où cela ne va pas avoir de conséquences pour la station spatiale. Il va y avoir des missions qui vont être pactées, on en a parlé tout à l'heure avec ExoMars, qui est le futur rover européen, qui doit être tiré depuis une proton russe. Et même tous les lancements russes depuis Sinnamary en Guyane, qui engagent des personnels russes de Roscosmos à bord de Soyouz, sont annulés, suspendus pour l'instant. Donc ça va commencer à avoir des impacts vraiment pas cool. Putain Alex, on dirait qu'on est à deux dans la même pièce. C'est énorme. Ça faisait longtemps mon petit Lucas. Ouais, c'est vrai. On peut se faire un bisou sur la cam. C'est ça. Oh punaise. J'ai déjà toi 200 km d'altitude, ça accélère un peu moins vite là, on sent que. Ah bah il y a une demoiselle qui nous a rejoint sur le live. Salut. Ouais. Donc vous êtes mis. Il rend bien ce petit t-shirt de la chaîne. Ouais, joli. Hein. Ouais, enfin, ouais. L'ancien, de l'édition collector. Ouais, c'est l'édition collector de l'ancienne boutique. L'une des éditions collector. Ça continue de pousser, hein. Actuellement, on pousse toujours pour augmenter l'apogée. Apogée, si vous savez pas ce que c'est, je vous laisserai aller voir sur le site. Dans la rubrique A, sur le glossaire. Apogée, c'est le point le plus haut de la trajectoire. Largage des batteries. Oh, regardez, on l'a vu. Oh, on l'a vu, le petit bout partir. Putain, ça part vite. Sur le niveau de la courbure de la Terre.
questions lors prochain live sur la chaîne. Prochain live, ça va être demain, les amis. Lancement d'une Atlas 5 du ELA 541 qui va lancer un satellite météo. Donc c'est un peu plus tard dans la soirée, donc mais ce sera demain à partir de 22h sur la chaîne, donc soyez présents. Et mon fils m'a répété car j'avais pas mis le pouce bleu. Excellent. Je sais pas si ça va. Je sais pas quand est-ce que ça passera au-dessus de la France, Nicole. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr, hein. Donc là, on est sur une orbite héliosynchrone, hein, c'est-à-dire que le lanceur sera, du coup, le satellite, la charge utile actuelle sera toujours orientée dans un plan solaire, c'est-à-dire qu'on ne met pas de batterie à bord du satellite. Et que les panneaux solaires peuvent faire le taf. Encore merci de nous faire partager votre passion et ces images particulièrement bien commentées. Bah, merci beaucoup, Aurélien, pour ton. Voilà, et Quentin fait une belle transition, parce que les détails de la mission de demain sont sur notre site. Je vous mets le lien dans la section prochain lancement. Voilà, ceux qui veulent savoir. Donc là, la prochaine étape, techniquement, c'est le SECO, le second engine cutoff, donc la coupure du moteur que vous voyez actuellement, la coupure du second étage, et techniquement, le largage de la charge utile du satellite. Bah, tout de suite, parce que tu vas avoir le kick stage avant. Hein. Pardon, je dis n'importe où, là, autant pour moi, bien vu. Non, c'est la séparation du second étage avec le troisième étage, le fameux kick stage qui est pas tout le temps présent sur le lanceur, donc en gros, là, en trois étages, et qui va venir finir la mise en orbite du lanceur. En fait, le kick stage, il est intéressant surtout quand il y a plusieurs charges utiles dans ce lanceur. S'il met plusieurs petits CubeSat, vous pouvez aller mettre sur plusieurs orbites différentes ensuite. Ouais. C'est ce qui est utilisé pour, dans le cas d'une constellation par OneWeb, par exemple, avec les tâches frégates sur Soyuz. Merci Elodie. OneWeb 14. Hey. Ça devrait avoir lieu, que c'est sur le sol kazakh, mais après c'est opéré par StarSem Ariane Espace, donc je sais pas comment ça va se goupiller cette mission. Il pousse longtemps quand même, hein, le second étage. C'est ce que j'allais dire. On est déjà bientôt à 28 000 km, les amis. On est à 26 000 bientôt. À quel âge vous êtes intéressé aux fusées? Bah écoute. Vers mes 18-19 ans. Moi, je m'intéressais plus jeune, plus à l'astronomie, l'univers et l'astronautique. On va dire que ça fait 6 ans, quoi, je pense. Ouais, grosso modo, je pareil. Je suis vraiment intéressé. Donc là, pour info, la tuyère... Ah bah regarde, des coupures. Waouh, magnifique. Ah oui, coupure SICO. Et... Oh, regarde, l'orientation. Ah, mais on a encore. Ah, ils ont coupé. Ah, ils ont coupé, là. Ils ont coupé. À ce moment-là, quoi. Montrer la séparation. Merci, David. Pour l'instant, OneWeb 14 est maintenu. Bon. De toute façon, ça sera suivi vendredi soir sur la chaîne. Ils ont encore les masques. Oh, on avait une image, ils l'ont enlevé. Ils ont laissé une microseconde. Aïe. Peut-être dans les reflets des vitres. C'est ça, Cosmiaou. Ah, c'est un peu ça. Ah, en KSP, on va peut-être s'en faire un petit peu. Ouais, c'est sympa. Vous avez eu de revoir du live KSP ou pas, les amis, là, sur la chaîne? Bon, en vérité, j'aimerais bien en faire et apprendre à jouer à vos côtés. Ce serait incroyable. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ah, on a une carte. Ça, c'est cool. Ah, on a une petite transition musicale. Et là, on est parti pour... On est parti pour une petite attente, je pense. Rien n'est récupéré de la fusée. Si, le premier étage est récupéré, mais dans l'eau. Et bientôt, sera récupéré par hélicoptère. Actuellement, c'est un navire qui va le récupérer vu qu'il se retrouve dans la mer, comme disait Lucas. Mais bientôt, on procédera d'une autre manière. Donc là, on va être dans une période un petit peu d'attente. Hein. Normalement, c'est dommage qu'on ait plus d'images. Jusqu'à 3-4 heures du matin, il me semble. Non, je rigole. Ça m'étonnerait même pas. Mais déjà, on. Ça m'étonnerait pas vu la progression de la barre là. Ah voilà, t'es. Ouais. Les batteries restent dans la mer, je crois que oui David, et puis on a répondu je crois ça tout à l'heure déjà.
Petit conseil, mettez un favicon. C'est quoi un favicon? Alors là, je crois qu'il n'y a que Hugo qui peut être bien placé. Ouais, le favicon arrive, il est en cours de validation en fait. Il y a une validation qui est faite auprès des fournisseurs, en gros, type Google, Firefox, Internet Explorer. Il va arriver, ne vous inquiétez pas. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le petit Hugo qu'il y a dans la barre en haut. Ouais, okay. Je sais ce que tu veux dire. Et là, vous voyez que la trajectoire est vraiment verticale, hein, parce qu'on est vraiment... vers le sud. C'est ça, et verticale parce qu'on est sur une orbite héliosynchrone et on va passer au-dessus de l'Antarctique du coup. Les batteries sont désintégrées. Remonter vers l'Afrique de l'Ouest, pas loin de l'Europe d'ailleurs. Ouais, on va pas passer si loin que ça de la France d'ailleurs. Et votre logiciel de montage vidéo. Alors moi, j'utilise Premiere, je sais que Lucas utilise autre chose. Moi j'utilise un truc simple mais qui fait très bien le taf. Ouais, ouais moi c'est pareil. Et qui est Movavi. Ouais. Bah Hugo aussi utilise ça et franchement. Ouais. C'est moins prise de tête que ce qu'a Alex, même si ce que Alex c'est très bien, mais ça prend plus de temps à prendre en main. À prendre en main. Ouais. Et avant j'étais sur Vegas, donc voilà, j'ai à peu près tout touché quoi. Movavi Mamba si tu veux. Est-ce que ça vous plairait d'aller dans l'espace? Oui, ah oui. Mais c'est pas donné à tout le monde. Soit ça coûte cher, soit il faut avoir un background incroyable. C'est ça. Donc, pas beaucoup de solutions. Ou se faire. Ah, c'est une musique. C'est une musique pour hybride astronaute qui passe. C'est incroyable. Parce qu'il y a des musiques qui ont été composées pour lui. C'est en train de. Rocket Lab, c'est vraiment des. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Mais là, on attend combien de temps là? Je sais pas. Par contre, là, moi, ce que je me demande, du coup, les cercles rouges, je pense que c'est les zones couvertes par les stations. C'est hein. Ça, c'est ça. Ouais. C'est les antennes au sol. Parce que là, la timeline n'avance pas, quoi. Je vais regarder sur leur Twitter ce qu'ils nous mettent. Le Nightbot de la boutique, il est plus bon, les gars, si. Ah, si, il avait été mis à jour. Par contre, il faudra que je le paramètre pour le site, parce que je l'ai pas fait. Non, la boutique, le tunnel et tout, faut l'enlever. Oh, la boutique. Ah oui, du coup, je vais m'en charger. Pendant ce laps de temps, je vais m'en charger. Je regardais juste ce que Rocket Lab disait par rapport à l'attente. Alors, le Kickstage est séparé du second étage d'électrons. Ce dernier fonctionnera sur une orbite elliptique pendant environ 50 minutes avant que le moteur Curie s'enflamme pour effectuer la circularisation de l'orbite. Avant le déploiement de la charge utile. Donc ça va prendre un peu de temps, les amis. Il va falloir patienter. Et bon, on pourra répondre à vos questions pendant ce petit temps mort, on va dire. Mais pourquoi mon fond vert il bug? Ouais, t'as du grain, c'est assez bizarre. On voit juste la Calédonie en haut. Alors ce que tu vois surtout c'est la Nouvelle-Zélande parce que la Calédonie pour l'observer là c'est compliqué. C'est surtout la Nouvelle-Zélande hein, qu'on aperçoit. Hop. Je vais mettre le nouveau lien. En tout cas, sachez les amis que, parce que tout à l'heure on parlait du lancement de demain, sachez que cette semaine on a une grosse semaine, on a 4 lancements, plus un ECAP, enfin bref, 5 contenus cette semaine. Ouais. Donc ce soir Electron, demain Atlas 5, jeudi Falcon 9, vendredi Soyuz. Donc c'est une très grosse semaine. Ça fait plaisir. Et peut-être un petit contenu héros si l'envie me prend. Si l'envie te prend et si les personnes. Le souhaite aussi, je pense qu'ils vont vouloir de toute façon. Ouais, Christophe, t'inquiète, hein, j'ai 400 balles de lumière qui éclaire le fond vert, donc c'est pas ça le problème. Mais il faudrait que je sache ce que c'est le problème. Et bon, le site a été mis à jour dans Nightbot. Normalement, si vous faites la commande qui va bien, ça devrait marcher, mais je vais tout remettre d'équerre. Voilà. C'est relou qu'on n'ait pas en même temps au-dessus de l'Antarctique, mais. Ah, là, on y passe, là, vraiment. Ils passent pas par Starlink, là, pour leurs images vidéo. Ouais.
Et là, je vais pouvoir mettre aussi un autre lien à jour, là, que je viens de voir passer. Hop. On verra, Olivier. Pareil, hein, si vous avez des questions sur les futurs lancements, bah, vous avez déjà ce qui est programmé sur la chaîne. Et si vous voulez voir encore plus loin, le site. De toute façon, maintenant, toutes vos questions, vous les, pratiquement la plupart, vous les avez sur le site. C'est vrai que là, il se passe plus grand-chose. Hein. Ouais, non, là, c'est calme. Ça va être calme. En tout cas, merci d'avoir explosé la barre des likes, encore une fois, les amis. Merci beaucoup. Ouais, vous êtes des boss. J'irai. Ceux qui ont dit, bah, normalement, oui, Cosmio a dit que c'était confirmé. C'est un peu tard, mais on sera là pour le couvrir, ne vous inquiétez pas. Écoute, Kevin, c'est le live. Bah rien, c'est mis en orbite, pratiquement fini d'être mis en orbite. Là, on va attendre le rallumage du Geekstage. Ouais. Et puis on aura la séparation et puis la mise en orbite confirmée, on espère. En tout cas, on en a pas parlé, mais encore une fois, une mission pour le moment réussie hein, chez Rocket Lab. Ouais, c'est clean. Hein. Ouais, franchement, toujours du bon taf hein, chez eux. Ouais. Pas comme certains. Nous déçoivent rarement. C'était visé, ça lui gagne. On va se prendre un claim. Alors là, avec les musiques, il y a des chances. Bah, c'est même sûr à 100%. Et on a. Est-ce qu'on n'aurait pas sur le live de NASA Space Flight, la plateforme pétrolière qui passe devant Starbase, simplement. Moi, je crois que si. Hein. Demos, ouais. On a Demos qui passe juste devant Starbase avec les Starships au fond, c'est génial. Ah, je veux voir. Alors, moi, j'ai le flux lap padré, mais je vais aller voir chez NSF. On change le sujet. On change de sujet, mais bon. Mais si, ça reste le spatial, mais c'est quand même important ce qui se passe. On pourrait vous le montrer, mais on n'a pas le droit. Je mets quoi faut mettre quoi pour voir, là? C'est avec quel câble? Non, mais pas, parce que... Non, mais moi, je veux toi voir. Ah bah c'est trop tard, on voit quasiment plus Starbase. Non, bah attends, je t'envoie plus Starbase. C'est fini. Ah mince. Oui, ah oui, on voit plus. Ouais, mais attends, je vais montrer à Lucas parce qu'il sait pas de quoi. Attends, t'envoie le lien en privé. Ah, je peux pas. Bah mets-le sur le chat aussi que qu'il puisse aller voir quand même. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, Starbase avec la plateforme Demos qui serait une des plateformes récupération, je sais pas si elle lancera, mais elle récupère certainement des boosters et des chips. Wow, ça mais c'est incroyable comme il la pousse. T'as vu? Mais c'est énorme. Ils vont vite, hein. Ouais. C'est marrant qu'il la pousse. Are you sure the life continues or is done finish of it? Welcome Steven on this stream. Oh, Steven. No, it's continued because we are waiting for the... Separation. For the separation and for the engine of Geekstage... Geekstage... Curry, so you're ready. T'as raison qu'on fait pas des lives en anglais. Ouais, non, mais là, j'ai cherché un terme et j'ai pas réussi à le trouver, donc j'ai pas forcément autre chose. Mais c'est marrant parce que... Ah non, il l'attire, mais... il l'attire aussi, il y a un bateau devant qui tire. Ah ouais. Mais ça va vite, hein. Franchement, ouais, ça trace, hein. Tiens. Attends, j'ai regardé les anciennes vues où on voit des Starbase et tout. Non, je vais aller voir. Après, si vous voulez le voir passer devant Starbase, hein, vous repartez en arrière. C'est pas... Ah, et le Favicon vient d'être validé. Donc, du coup, il est présent. Ah, sur le site. Vous avez un petit logo. J'ai actualisé. Oh oui, ça marche. Si vous actualisez le site et vous êtes dessus, bah, vous allez voir le logo qui va apparaître. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Mais... Sur la page. Tu sais, si t'as différents onglets, ouais, c'est, tu c'est. Peux différencier tes onglets avec tes logos de page. Quoi. J'ai compris. Ah ouais, on voit là. Non, il veut pas manger le remorqueur qui est devant, il le montre pas. C'est un truc de fou, quoi. Il y a quand même 1400 à regarder une plateforme pétrolière avancée. C'est-à-dire combien de temps la mission Bah là, on en a encore jusqu'à... Je vous redis ça, parce que du coup, ça a avancé un peu en temps.
Je vous redis ça, je vous redis ça. Comment il la fixe la plateforme en pleine mer là, il... Mais je crois que là ils vont l'amener à un port là pour la. Quentin avait la, le nom du port, avait donné le nom du port. Qui là ils vont la, la retaper, disons qu'ils vont tout, ils vont lever tout ce qui est inutile dessus et vraiment bah la. Le, l'agencer comme il le souhaite, enfin vraiment le, l'aménager comme il la, la souhaite au début. T'as le mec il a acheté une plateforme pas très bien. Quoi. Et il en a acheté deux. Il a pas acheté que celle-là. Il s'est dit, j'ai décollé un Starship de là. Non mais non, c'est vraiment le futur. Prof, pour l'instant, pas de site anglais en vue. Hein. On va se concentrer déjà sur le site en français. Et ouais, après, mais... on va voir. Mais c'est possible. On dit pas non, mais c'est possible. C'est vrai que même par message privé, je reçois des messages de personnes qui disent « Mais pourquoi vous faites pas une chaîne anglophone ?» Déjà, les amis, gérer une chaîne en français, ça nous prend un temps monstre. Oh oui. Imaginez si on devait gérer aussi une chaîne anglaise. Mais surtout qu'on fait quoi? On fait des lives en anglais. Du coup, tous ceux qui parlent pas anglais, on les gère des lives. C'est compliqué. Ouais. On est français, on a un public français, on a une communauté française, même si on tend à évoluer. Mais c'était compliqué de contenter tous les, bah, toutes les langues, quoi. Déjà, on va vous contenter, vous. Déjà une, ouais. Ouais, ça serait bien. Mais, voilà. Mais disons qu'il reste encore, pour ceux qui demandaient, 38, 39 minutes de mission, je pense. Ah, pas fini. De mouillage dynamique comme les marges de récupération des Falcon 9 certainement bah Yonako, alors là tu poses question technique. Ah on voit Starbase, on revoit Starbase, allez sur le live. On voit Mechazilla. Ah bah on voit le pas de tir orbital là. On voit le pas de tir orbital. Ouais. La ferme. Oh là 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 là, c'est bien, dites-vous que. Oh, c'est incroyable. Je vous remets le lien les amis dans le chat. Clairement, on fait de la pub à NSF. Hein. Bon. On fait clairement de la pub à NSF. On les, moi je les apprécie. Eux ils nous autorisent pas mais bon. Bon je pense qu'ils vont peut-être pouvoir nous autoriser au bout d'un moment. Surtout que ça leur change rien enfin. Alors les deux bateaux, les deux remorqueurs à l'arrière ne poussent pas. Hein. Non non, ils sont là pour freiner. À mon avis ils sont uniquement là pour la trajectoire. Ils sont là pour la trajectoire et pour freiner également parce ouais. Que c'est pas celui de devant qui va freiner. C'est incroyable quoi. C'est ouais. Est-ce qu'on aurait pas un petit mail à NSF pour leur demander ce serait tellement bien de voir comme ça. Je leur ai déjà demandé l'été dernier, Lucas. C'est incroyable, quoi. Ouais, là, c'est quand même fou. T'imagines, t'es là-bas, tu vois... Attends, mais il fallait vraiment être là-bas à ce moment-là. Il y a un Starship qui va décoller de ça. Non, mais sans déconner, quoi. Un truc de fou. On va déjà le voir décoller de la Terre avant de parler de la plateforme pétrolière. Ouais. Parce que là, voilà, ils nous vendent du rêve avec leurs images, mais voilà. Attends, parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas trop les preuves. Pour l'instant, la FA, il le cloue au sol, hein, le Starship. Hein. Oh, y a pas ils n'ont jamais l'autorisation. FA, hein. Mettez des subtitles, ouais, je pensais à mettre des sous-titres déjà dans les vidéos. Les lives, c'est compliqué. En plus, sachez que quand on veut mettre des sous-titres à nous, vraiment les mettre bien, ça demande du temps hein, de faire ça sur YouTube. Après, la communauté peut aussi nous aider. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont aidés comme ça par leur commu qui mettent des sous-titres dans plein de langues et tout. Et ça demande un travail monstre aussi. Tu sais, non mais vous vous rendez compte, juste. Non mais j'avais commenté l'image qu'on voit mais vous la voyez pas. Mais tu sais que. Pour les discours présidentiels, c'est un mec qui tape en direct le sous-titre. Ouais. Il faudrait qu'on, qu'on engage oui, un mec oui, qui oui, fait oui. Ça. Ouais. On engage un mec sauf qui que fait ça. Dans les discours, tu vois que le gars, des fois, il bégaye un peu sur son clavier. Et pas forcément ce que vous. C'est des claviers adaptés, c'est ouf. Personne dit, mais. Ouais, qui vont très vite. Hein. C'est des combinaisons de touches en fait pour faire des mots, c'est un truc de ouf. Bon, ok, on est totalement hors sujet de ce qu'on est en train de faire là. Ouais, surtout quand on a des questions là, je vais essayer d'y répondre. Savoir combien on a de kérosène dans l'électron, je vais essayer de te trouver ça. Mais ça, on l'a, je crois. J'espère que la fiche technique va m'aider. Ça, on l'a, je crois. Je pense qu'on a la donnée. Par contre, je regarde la trajectoire elle remonte là, de l'électron là. En fait, je me dis que moi j'ai déjà vu des Starlink ou de l'ISS passer bien plus loin que ça. Hein. Alors attends. Visuellement en France. Hein. On a 2 tonnes 150 dans le premier étage. Ok. Et
Je dis n'importe quoi, pardon. C'est dans le deuxième étage qu'on a 2 tonnes 150. Et dans le premier étage... Ah oui. Ça, c'est les ergols complets, hein. C'est kérosène plus box. Dans le premier étage, pourquoi ils nous mettent pas? Parce qu'après, la masse à vide du premier étage, c'est 950. Et le deuxième étage, c'est 250. Donc, il y a déjà... 1200, une tonne de lanceurs plus 50 kilos de coiffe. Putain, vous nous posez une colle. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'on a créé quelque chose de qui devait pas qui devait contrer ça, enfin pareil à ça. Quentin, si t'es la réponse, t'es dans le chat pour la question de Dinola. Ça passe au-dessus du Maroc. Ah bah oui, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, là, vous allez pouvoir observer, peut-être. J'ai pas compris ce que tu disais par rapport à l'ISS, là. C'était quoi ta remarque, tu disais, avec l'ISS ? La trajectoire de l'électron, là, actuellement, ouais. Elle va passer au-dessus de l'Afrique de l'Ouest, ouais. Au-dessus du Maroc, notamment. Ouais. Et moi, l'été dernier, si Palbo il est encore là, il s'en souviendra, on avait vu ensemble un train de Starlink qui passait au moins aussi loin que ça. Hein. Ah oui, oui, donc ça veut dire qu'elle serait peut-être visible. Ouais, mais le soleil s'est couché depuis un moment quand même. Je suis pas sûr qu'elle réfracte, elle est pas très haute. Je sais pas. Ouais, si, ouais, niveau hauteur. Bah après, les Starlink sont pas très hauts non plus. Hein. Ouais. Enfin, 540 km. Là, elle est à combien là, l'électron? Là, elle est à. On n'a pas de. On n'a pas la. On n'a pas l'altitude. Ils ont enlevé la télémétrie. On a une question là. Quand est le dernier vol des Atlas 5, Quentin doit savoir parce que c'est un fan conditionnel du ELA. Il doit le savoir. L'Atlas 5 qui va être remplacé par la Vulcan, hein, dont on a fait aussi une fiche technique sur le site. I mean, I'm okay with France, your live, it was super top. You all do a good job, by the way, guys. Thanks, Steven. Thank you so much. Moi, le point des. Il y a les poids des batteries aussi, tout à fait. Poids des batteries, poids des moteurs. Ça m'énerve de pas trouver. Je pense que Cosmia ou Quentin ont l'info, mais. Mais ils dorment. On a déjà bien avancé, on a pratiquement fait la moitié d'une orbite. Pas encore, mais pas loin. On est pratiquement à mi-chemin avant un peu d'action. Tu m'étonnes, Aurélien. Ah, moi aussi, j'aimerais bien habiter dans une ville où il n'y a pas de pollution lumineuse. Oh là, actuellement, je suis en montagne et je peux dire que le ciel, il est... Ah bah oui. Il est où? Ah bah, quand on était allé chez toi, Lucas, à Mars, je peux dire que c'était incroyable. Hein. Ouais. En août, vous voyez tout, hein. J'ai jamais vu ça. C'est pas moi. Oh non. Qui a le rhume? Peut-être les micros qui font ça, mais... De quoi? Quelqu'un dit qu'on a le rhume, quelqu'un a le rhume dans l'équipe. Ça peut peut-être être moi, je sais pas, mais si vous voulez, je me mute pendant les moments où je parle pas, c'est très bien aussi. On peut faire comme ça. Hein. Si on attend tout ça et qu'on n'a pas d'image, on n'aura pas d'image de toute façon. Ouais, ça se trouve, on n'aura pas d'image. Hein. Ce serait triste. Mais bon. Voilà, ça foutrait les boules quand même, qu'on n'ait pas d'image. Bah, ouais. Il faut que. En fait, il n'y a plus qu'une chance, c'est les dernières stations là. Après, c'est. Ça va être compromis. Oui, bah Yonako, et même Lucas, il en a parlé sur l'un des derniers lives, justement, que la Saturn V avait énormément de dépôts de glace.
causée par la condensation des ergols, enfin de l'oxygène liquide notamment, qu'il y avait en grande quantité dans cette fusée. Mais il y a aussi les fusées. Ouah, j'ai eu peur. C'est passé ? Oh, depuis tout à l'heure, je le sentais venir le moment où ça allait faire ça. J'ai la coque à sauter, c'est revenu. Ah ! h 10 du matin, Maya Pinessa. Je pense qu'on n'aura plus d'image. Waouh. Depuis Lucas, en plus, t'es en partage sur Discord, peut-être enlève ton partage aussi. Ouais, vas-y, tu peux enlever. Ok, j'aime bien leur musique, hein, celle de SpaceX et de Rocket Lab, vraiment. Sympa pour nous faire attendre. Les amis, on est bientôt aux 200 likes. Bon, il y a quand même pas mal qui sont partis, mais ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Ça nous aide, ça nous soutient au quotidien pour notre référencement. Donc, merci à ceux qui le font. De quoi alimenter les caméras. C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Chris. Ouais, ça, vu qu'ils ont largué les batteries. Bah, quand ils ont largué les batteries tout à l'heure, on avait encore la vue, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, correspond les cercles rouges. Bah, on l'a dit tout à l'heure, Aldon, en fait, c'est la zone sur laquelle que peut choper, que disons, que peut capter, que peuvent capter les stations de télémétrie au sol, les stations radar. Qui sont connectés avec le lanceur, enfin avec ce qui reste du lanceur, qui permettent d'avoir sa télémétrie en temps réel, en fonction des stations par lesquelles elle passe au-dessus, au fur et à mesure. On va s'endormir avec cette pile. C'est ça. Il est en train de s'endormir là. J'essaie de trouver la réponse à cette question qui me. Oh, qui te hante. Vraiment. Taraude. Il invente des mots, Lucas. Attendez, je c'est reviens. Pas, c'est pas, pas de soucis, Aldon, t'inquiète. Je reviens. On est là pour ça, Aldon. Hein. C'est cool d'avoir une image du kickstage parce que ça, c'est impressionnant quand il le sépare aussi. On l'a vu en intro un petit peu au début. Bon, merci beaucoup Benoît pour son gros don sur PayPal. Je vais pas donner son montant, mais il a fait encore un don incroyable. Benoît, t'es vraiment le boss de cette chaîne. C'est... Merci Benoît, grand. Une merci. Vague de cœur pour Benoît dans le chat, les amis, parce que là c'est. Allez. Full cœur. Il est archi content pour le site. C'est quelqu'un qui nous soutient. Je pense qu'il voilà, il nous soutient depuis très longtemps et je pense que c'était aussi pour te féliciter Hugo du super travail que t'as fourni. Et bah c'est avec grand plaisir en tout cas, je suis vraiment content, ça m'a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps aussi à pas mal de membres de l'équipe, mais au final, vu les retours qu'on a depuis tout à l'heure, c'est un plaisir, j'hésiterai même pas à repasser autant de temps pour refaire un autre projet. Merci beaucoup Benoît. J'ai entendu qu'il y avait eu un don. Ouais, alors j'ai pas donné le montant, mais c'est un gros don encore de Benoît qui nous a fait. Merci Benoît, merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. Mon gros cœur sur lui. Vraiment. Et vous êtes encore bien nombreux, hein. Ouais, ça fait plaisir. Merci Marie, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a Peter Beck dans la salle? J'ai pas regardé. Il me semble qu'il sûrement. Était derrière tout à l'heure, je l'ai vu derrière, mais Ah mais non, il est en bas à gauche, non? C'est pas celui qui est en bas à gauche? Il y a des chances avec les bouclettes. C'est les petites bouclettes là. Je crois qu'il est toujours en bas à gauche.
Ouais, c'est lui, je crois. Super. Mais j'aime bien Peter Beck, en plus, c'est un gars, c'est un homme simple. Ouais. Elon Musk est un peu plus extravagant, normal. Ils ont pas le même passif, mais j'aime beaucoup Peter Beck, moi. Il a présenté le live de demain, bah, moi je serai là, ouais, je pense que Lucas aussi, ou aussi, enfin je sais pas, je pense qu'on sera le même trio. Un peu plus tard par contre demain. C'est à 22h ouais. Que ça commencera. Bah moi je travaille tôt, hein. je suis du matin assez tôt en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Alex, Insta, message privé. Ah, je vais voir. Déjà répondu, mais foutu, moi. C'est une question ? Ouais. Alors, après je sais pas si la personne elle est sur le live ou pas. Mais non, mais t'as pas compris. Moi, ah je... oui, pardon, oui, ok. Je répondrai quand je pourrai. Et on approche de la côte africaine, petit à petit. Sénégal, pas loin. Merci prof pour ta commande sur le site, merci. Oh, merci prof. Merci beaucoup du soutien. Ah, mais génial prof. N'hésite pas à nous faire un retour hein, sur le service d'ailleurs. N'hésite surtout pas à te prendre en photo, en tout cas toi ou le t-shirt, et nous identifier sur Insta, comme ça on partagera ça. Ça ouais, ça on va vous en parler, on va faire quelque chose, un petit événement d'ailleurs par rapport à ça. On va créer un channel sur le Discord pour nous envoyer toutes vos photos dans lesquelles vous mettez en situation les objets du site. Par exemple, je sais pas, une photo de la tasse sur votre bureau de travail ou avec vos collègues ou je sais pas, votre t-shirt quand vous partez, imaginons, je sais pas, en voyage au Kennedy Space Center. Merci Kevin. Merci Kevin. Bah j'ai rien moi. Merci. Merci Kevin. Oh merci Kevin. Un petit nom. Arrête, mais du coup, vous aurez, on y aura un petit événement comme ça. Vous inquiétez pas, ça va être cool. On vous prépare des petites surprises. Ah ouais, merci et toi, Romain. Salut Romain. Ciao Aurélien. J'ai coupé ma cam parce que je suis en train de manger. Comme je sais qu'il y en a que ça énerve, maintenant je coupe ma cam. Vous avez un autre. Bonhomme à l'écran, donc ça va, ça compense pas. Ah, apparemment, JP et Benoît préparent un truc avec les casquettes, je sais pas ce qu'ils vont faire. Oh, ah, on trop tard, JP, on a vu ton message, c'est trop tard, on a vu ton message. Ah. Et oui, il fallait être plus rapide. Ah, Kevin, t'en as déjà fait beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Kevin. Merci. Oh, j'adore la musique là. Elle est belle. Allez, tant qu'à se prendre un claim, autant la mettre plus fort. Ça se trouve, ça sera pas claim. Hein. Oh, j'adore ce genre de musique là. Et après, tu mets un petit kick derrière là. Ah oui, pardon, David, ça fait depuis le début du live que je veux le mettre en silencieux et je ne le fais pas. Tiens, la soirée, ouais. Enfin, la musique. Ouais, elle est planante. Elle est planante. Les vilains n'ont pas eu le temps de. Eh, bah ouais, mais JP. On est vif. Les jeunes sont vifs. C'est quoi qu'on mange? Moi, je vous dirai pas ce que je mange parce que j'ai tellement le fun de faire à cuisiner, c'est une honte. Salut John. Il avait dit quoi JP à propos des casquettes? Mais qu'ils allaient faire, ils allaient préparer une surprise avec Benoît. Je sais pas ce qu'ils vont nous concocter. Mais oh là là. J'attends de voir ça. Les deux Belges. Tu pars au Sénégal, Benoît? Tu repars au Sénégal? Non. Bah si, visiblement si. Essayez d'aller voir aux fenêtres côté ouest tout à l'heure, les amis quand même. Peut-être que vous allez voir passer le lanceur.
Ah si, il repart demain, Benoît. Ah ouais, lui, putain, Benoît, tu enchaînes des voyages d'affaires. Donc vous trouverez jamais tournée liste. Adresse pour la barge, c'est-à-dire là où elle se rend. D'ailleurs, on devrait peut-être recapter un signal de caméra. J'espère. Ouais. Pas loin, c'est vrai. Ouais, je suis sûr que c'est un truc comme ça. Sandwich camembert. Oh. Non, c'est pas ça. Mais il y a de l'idée dans le propos. Moi, je pense savoir. Ah ouais? Est-ce que j'ai déjà commandé? Non. Non, ok. Oh, j'y perds. Fort, Olivier. Pourquoi avez-vous changé le nom de la chaîne? Bah écoute Alex, je te laisse répondre à cette question. Moi j'ai changé le nom de la chaîne simplement parce que certes c'est moi qui ai créé la chaîne, certes elle était à mon nom, mais ça fait déjà bientôt un an et demi, enfin déjà 14 mois qu'on est une grande équipe, 3 ans que je suis plus tout seul. Et je pense que c'était le bon moment de changer, puisque si on personnifie encore trop longtemps comme ça les choses, au bout d'un moment, ça va nous contraindre un peu dans notre progression. Et ça illustre tout à fait ce qu'on fait sur la chaîne, c'est-à-dire vulgariser du contenu scientifique, et surtout du spatial, qu'on kiffe faire, qu'on adore apprendre et vous apprendre des nouvelles choses chaque jour. Voilà, vulga pour vulgarisation, space pour espace, même si on a d'autres choses que l'espace, mais tout gravite autour de ça. Et c'est un petit coup de neuf qui fait du bien cette année 2022, qui s'annonce très 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 intéressante. Oh, c'est sûr. Oh oui. Oh oui. Oh. Par exemple, Peter Beck a dit orbite de transfert parfaite. Ah. Il y a 1 minute. Hein. Bonne nouvelle. Orbite de transfert, tout se passe bien. Définition qui se situe dans le glossaire. Dans le site. Ah, et d'ailleurs, tout à l'heure, je me posais une question sur le live. Rocket Lab a répondu à ma question, c'est magnifique. C'est officiel, Neutron va être tiré depuis la Virginie. Et va permettre de créer 250 nouveaux emplois là-bas. Ils vont faire un super centre. Incroyable. Ouais. En même temps, ils ont pas l'heure pour la Neutron. Je vais envoyer l'image à Lucas, mais franchement, je trouve ça magnifique. Si tu veux montrer ça pendant le live, tu peux, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais je trouve. Ah merde, c'est trop lourd. On l'envoie. Attends, je t'envoie ça. Mais ça montre le futur site de développement de Neutron. Enfin, c'est une maquette, hein. C'est du 3D, c'est de la 3D, mais. C'est vachement sympa ce qu'ils ont fait. Je vais ça viendrait dans le comté d'Accomack. Voilà. Je finis mon repas. Je sais pas où situé exactement, mais. Vous avez changé de nom juste après être passé sur M6. Alors non, parce que M6, on est passé dessus en octobre. Novembre, lors du retour de notre astronaute Thomas Pesquet. Nous, on est passé juste après le passage BFMTO. C'est vrai que le timing n'est pas été super parfait. Mais on avait déjà cette idée en tête depuis un bon bout de temps. Donc voilà. À un moment donné, il fallait le faire, les amis. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être. Disons qu'on avait vraiment les choses en tête. Et on a tout déployé à ce moment-là. Quoi. Ouais, c'était prêt donc. Puis même pour nous, on avait envie de changement. Quand tout est prêt, c'est dur d'attendre. C'est ça. Ouais. On avait aussi l'idée du site, donc c'est compliqué de développer un site quand tu sais que tu vas changer toute ta. C'est ça, exactement. Ta charte. Toute ta charte, ouais. Et on est au compte que c'est un gros boulot hein, que Hugo fournissait depuis plusieurs mois. Je pense que ça faisait au moins facile 5 mois qu'il était dessus, voire plus. Ouais. Et
c'est enfin concrétisé aujourd'hui. On va pas tarder à arriver au-dessus du Maroc là, et de Marrakech, pour répondre à tes questions. Et c'est pas fini, puisque ce site devait être alimenté, vous avez quoi? Vous avez vos suggestions, d'ajouts. Donc il va vivre ce site, il va pas juste exister. Exactement. Comme ça, il va vivre. On arrive bientôt, on parle, mais on arrive bientôt à l'allumage du moteur QI du Kickstage. Vous avez les titres des musiques qui s'affichent à l'écran, hein, pour ceux que ça intéresse. Oui. Même si celle-ci, je trouve pas... On va rentrer dans une zone couverte, j'espère qu'on va avoir des images. Ouais. Alors, je vais couper ta cam 2 secondes. Hop. Vraiment, dans un moins d'un quart d'heure, ça devrait être bon. Parce que là, on a déjà on a la nouvelle étape qui apparaît, hein, le déploiement de Citrix Beta du satellite du jour, qui est tout en haut, à gauche, qu'on voit pas encore avec l'overlay. Mais... On est entré dans la zone. D'ascenseur. Au-dessus du. On est où là? Ah, David suggère le retour des blousons dans la boutique, les gars. Des blousons? T'avais soit t'avais des blousons, je sais plus si t'avais des blousons, tu sais, un peu en mode. Je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, sur les eyes, sur le site de les eyes, il y avait des blousons un peu comme ça, tu sais, avec les boutons là. Je sais plus comment on appelle ça. Ça peut être une idée, hein. Je note ça, en tout cas. Je vous montre juste l'image qu'Alex m'a envoyé, du coup, donc. Du neutron. Futur lieu de production de neutrons et des bureaux. C'est quand même très classe. Hein. C'est joli, hein. Waouh. A savoir que la c'est coiffe. Épuré, c'est... La coiffe, du coup, ne se détache pas. Elle s'ouvre, mais elle se détache pas. C'est le second étage qui se libère de tout ça. Ça, c'est stylé. Donc, en fait, on récupère à la fois le premier étage et à la fois la coiffe sur ce lanceur. 250 nouveaux emplois. Pour moi, vraiment, ouais. Rocket Lab, c'est ce qui représente le mieux le New Space, en fait. Je suis assez d'accord avec cette remarque. C'est le New Space, parce que... Ouais. On peut dire, SpaceX, c'est le New Space, mais SpaceX, c'est déjà 20 ans, les amis. Ouais, oui. Que Rocket Lab, c'est une société qui a même pas 10 ans, je pense, aux 5 et 10. Les Teddy, voilà, c'est ça que je cherchais le nom de ces vêtements. Bah écoutez, si vous êtes chaud pour des blousons, pourquoi pas, hein. On va regarder ça. Créer des musiques Vulgaspace, pendant un temps avec Jérôme, on composait des petites musiques d'attente. Vous faisiez ça, je me rappelle. Et j'ai plus mon logiciel de composition. C'était Ableton, non? Ouais, et je retrouve pas mon compte en fait, et du coup je peux plus. Et en fait, si vous voulez, il y avait des musiques d'épisodes à l'époque, les amis. Entièrement créé. Qui était créé par Jérôme et Lucas et qui passait sur les vidéos et les attentes de live. C'est vrai que c'est pas mal de faire ça quand même. Ouais. Et on a aucune couverture vidéo. Hein. Ouais. Ouais, et là on passe au large de l'Espagne, hein, ouais, bientôt, enfin des Portugal, pardon. Détroit de Gibraltar. Les Bretons, tentez quand même d'aller voir. Ouais. Bretons, Rochelle, tout ça là. Ouais, ceux qui sont à l'extrême ouest du pays. Ouais, toi aussi. David, il y a une station qui doit être en Espagne parce que t'en as une dans les Açores, mais t'en as une qui est vraiment, je pense, au centre de l'Espagne, tu vois, avec le centre du cercle du centre là. Et t'as un cercle à l'est qui est. C'est peut-être dans les Pyrénées d'ailleurs. Non? Je sais pas. Ouais, peut-être plus au sud. Au sud des Pyrénées, je dirais. Oh, je kiffe la musique là. Ouais, c'est pas mal. On y réfléchit, hein, déjà, JP au patch, hein, t'inquiète pas. Et ce qu'on va même. Alors, je sais plus qui. Si, oui, si. C'est un petit peu inspiré de Villebrequin.
qui ont lancé une collection aussi de vêtements où en fait ils ont des surfaces en velcro, ce qui fait qu'on peut coller des sortes de ils appellent ça des patchs aussi, mais du coup nous c'est pas du tout les mêmes types de patchs. Collant. Non, c'est du scratch. Ouais. C'est du scratch en fait. Tu l'enlèves et le remets à ta guise, comme il y a sur les vestes ou les combinaisons des astronautes. C'est un peu le même délire. Mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa de regarder ça. Spikos dit au repas, Benoît il nous dit pour la station. On va pas tout sortir tout de suite aussi. Hein. Non, bien sûr. On fera peut-être aussi des collections. Des collections. Éphémères. Éphémères. Ouais. Ce qu'on avait un petit peu fait à un moment donné avec Cyrillique. Et ça va revenir. Juste ici d'ailleurs. Avec le Soyouz. Avec qu'apporte. Avec le vaisseau Soyouz, je sais pas si c'est bien de porter ça actuellement, mais. Ouais. C'est pas si c'est le meilleur moment de le montrer. Ah, on a une update. Ça approche, hein, le moment tant attendu. Vous êtes patients, les amis, en tout cas, merci. Le déploiement. D'ailleurs, l'allumage a eu lieu il y a quelques temps déjà, hein, ouais. Dans le déploiement. Ah! Welcome back to the webcast of Rocket Lab's 24th Electron mission, The Owl's Night Continues. If you are just joining us, today's launch included a successful on-time liftoff at 09:37 New Zealand local time, or 20:37. Donc on a juste une vue de synthèse, malheureusement, image de synthèse. Ok, on n'aura pas de vue embarquée, ça c'est dommage. La belle musique de Rocket Lab. So we can deploy this inspective satellite on board. Voilà, vous voyez le kickstage. Hein. Le satellite a été déployé. J'ai la confirmation. Peu d'avance. Oh, c'était tellement claqué d'attendre tout ça pour ça. Je te jure. Ah, yeah. Ça marche, Inola, pardon. Gros bisous. Ciao, Inola. Bonne nuit. Oh là 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 là, ça m'énerve. Et honnêtement, moi j'ai un truc à dire. Au moins, ils nous ont mis quelque chose. Ils nous ont tiens. Il m'a mis un petit truc 3D, c'est pas comme certains que je ne citerai pas. Qui nous mettent des trucs 3D dès le début. Qui font attendre pendant 3 heures, qui nous mettent des trucs 3D dès le début, hashtag ArianeEspace, autant pour moi. Fallait que je le dise. Mais là, au moins, il y avait quelque chose. Hein. Même l'attente, je trouve, les musiques et le globe, le planisphère était vraiment cool. Mais moi, j'aime bien Rocket Lab. Franchement, Rocket Lab, j'ai toujours kiffé. Moi. En tout cas, bah, je serais pas resté 3 heures devant, mais bon. Ah, et on a une vue du pas de tir libre avec des hommes à côté, ouais. Donc vous voyez que c'est pas très grand, hein, vraiment, en comparaison. Voilà. C'est la fin du flux. C'est la fin de la webcast. La webcast, effectivement. C'est un super live. Long, mais sympa. Long, pas tant que ça. Long, petit peu, on a connu plus long, mon petit Lucas, on a connu bien plus long. Oh, mais, oui. On a connu fort beaucoup plus long. Et ben voilà. C'était une belle soirée. Ouais, belle soirée. Ça faisait plaisir en tout cas de changer de lanceur, de Falcon et de passer un peu sur Rocket Lab Electron. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et en attendant, bah, j'espère que vous allez tous aller découvrir tranquillement ce site et on attend vraiment vos retours, hein, sur Instagram, Discord, etc. Un retour constructif évidemment, mais voilà, si vous avez des idées, des suggestions, plein de choses, bah, n'hésitez pas parce que c'est grâce à vous que ça avancera. Donc on vous met une dernière fois là, le lien qui sera en description des vidéos aussi, hein, comme d'habitude. Tout ça. Et puis dernier post aussi qui est sorti sur Insta que Hugo vous a fait là sur la navette spatiale, qui est très sympa. Donc n'hésitez pas. Ouais. Les images sont incroyables, hein. Je vous invite à aller voir, les images sont folles. Ouais. Un grand merci aussi à Kevin, à Benoît, à Antoine, JP. À Séverine et qui d'autre voilà. Il y a eu JP aussi. Et JP et Benoît, ouais. Hein, je crois que j'ai déjà dit pour vos dons, merci pour vos pouces, merci beaucoup les amis. Et puis bienvenue à ceux qui sont abonnés également ce soir. La famille s'agrandit, donc ça fait bien plaisir en tout cas. C'est clair, c'est cool, c'est cool. Voilà, la chaîne, ouais, je pense que devient, bien quali quand même, hein, faut le dire, j'ai envie de le dire quand même, c'est beau maintenant. Bah on est présent partout, ce que j'ai envie de dire maintenant, on est présent partout, donc plus d'excuses pour ne pas pouvoir nous suivre les amis, vraiment, on est présent partout, ça fait plaisir.
Merci Hugo pour ce travail incroyable qu'il a fourni. C'est avec grand plaisir, gros, j'ai eu que des retours positifs depuis tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir. À tout le reste du staff aussi qui bosse dans l'ombre, mais qui sont là aussi, qui nous aident au quotidien. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, messieurs. Bah, je crois aussi, hein. C'est malheureusement la fin, mais c'était un plaisir encore une fois de commenter cette passion avec vous, les gars. Ouais. C'est clair, on se retrouve dès demain 22h les amis pour suivre une autre entreprise, United Launch Alliance, qui va lancer le satellite Ghost D, satellite météo, le troisième satellite de cette nouvelle génération de satellites météo exploité par la NOAA. Merci Hugo, merci Lucas de m'avoir accompagné ce soir. C'était plaisir de vous retrouver en cam, les amis, sur le chat. Puis bah merci à vous pour votre soutien toujours grandissant, comme Lucas exposait. Et votre fidélité. C'est fou. Et votre fidélité qui sans faille. Merci à vous. On se retrouve demain soir pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Dormez bien. À toutes et à tous. Ciao, ciao. Gros bisous, ciao. Ciao tout le monde.